dans la vie, bon, je te vivre déjà et je me fais rentrer pour le prince. Mais l'expérience que je vis là avec ma tête à tout, le fait que je dis à ma réflexion, je dis comme le côté, comme moun. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, il n'y a pas de temps pour nous apprendre. Et de fait, il y a des leçons qu'on tire dans la vous. En fait, il y a des leçons qui vous dans la vous, si vous ne pas tirer les leçons de yo. Ouais, mon cher, vous finissez pas. Non, vous finissez pas. Vous finissez pas. Vous finissez pas. Ok. Et je ne sais pas, bizarrement, depuis avant hier, je vais recevoir des messages qui nous disent, monsieur, dès que matin débat, vous faites attention. Ah oui. Bon, je vais vous dire. Bizarrement, je me suis tout depuis avant hier, comme si pression commençait à monter. Alors, maintenant, bah, nous avons toujours une pression. Mais bizarrement, et depuis avant hier, comme si pression pratiquement, donc l'Uro commençait à monter encore. Pour qui ça? Parce que, il y a des nous dit dans le pays, et nous avons de fait, il est arrivé. Et il y a des sujets que nous osons aborder, que d'autres émissions pas aborder. Et dans ce moment-là, on a dit que l'arrestation, entre guillemets, de Dimitri Vob pour faire parler donc aux États-Unis, et que nous allons tout à l'heure, si l'immigration américaine t'a déporté Dimitri et que l'État haïtien t'a arrêté Dimitri donc n'importe là, et que Dimitri t'a dans la pénitentiaire nationale ou bien dans la prison dans le pays, comme si Figa Jovenel Moïse pensait que son mari était facile. Eh bien, analyse ça, nous une fait. Et puis, nous dit que on ne sait pas oublier que Dimitri va prendre le monde par la terre. Et, permettez-moi de tout clair sur la question. Dimitri va appartenir à un secteur économique. Un secteur du secteur économique. Je ne sais pas de monde qui va nous croiser bras comme ça. Écoutez, madame, monsieur. Et nous te dit gardez pour nous, si pas de monde qui va mourir dans le pays. Nous t'avons annoncé la semaine dernière, oui. Là nous disons pas le BTA. Et nous avons annoncé tout l'émission matin débat. Nous disons que gardez pour vous, si pas que des gens qui ne parlent pas dans le pays. Chose que nous avons avec matin débat, c'est que nous toujours assumons ça. C'est pas rien que nous disons ici et que nous fait back sur lui. Maintenant, si ça nous dit à les dérangés des secteurs, les dérangés des gens, bon, écoutez, donc c'est nous-mêmes. Mais nous-mêmes, nous désirons, permettez à tous les électeurs, c'est ça. Nous allons faire back sur ce que nous disons dans l'émission matin débat. Je tiens à m'inviter à nous suivre l'émission ça parce que. Il y a des vérités pour nous connaître. Parce que semaine qui va venir là, je suis petit mari vente. Parce que je dis ça déjà. Et je vais tout annoncer le matin. Il y a des gens qui ont un business dans le pays. Et que je dis à la permettre à tout où le business a marché très bien. Comment se prendre disposition? Parce que à partir de la deuxième semaine du mois de septembre, toute donnée qui a changé pratiquement dans le pays. À partir de la deuxième semaine, du mois de septembre. Elle dit que, considérez que dans le moment où il est là, c'est une vacance, ou comme dit, ou non break, ou non trêve. Parce qu'à partir de la deuxième semaine du mois de septembre, donc quand il est capable de changer dans le pays, ou quand il retourne dans la question pays, ou quand il retourne dans la question que nous déjà là d'abord. La sécurité, ou quand il augmente plus. Ou quand on paquet assassinat donc en cascade. Et déjà qui commence à partir dans le pays. Et nous te dit dans le matin débat, cette fin d'année encore sera très difficile. Et pendant la parole à tout, nous toujours épée d'amour qui est sous tête par nous. Bien que bon Dieu, dans celle-là, toujours géré Haïti. Ok, c'est que nous en pleine saison cyclonique qui a fini en novembre, madame, monsieur. Donc, en fait, on doit se croiser les doigts. On en est pour nous. Haïti économie. La Capital Bank et la Unibank pénalisées par la BAH, la Banque Centrale. Quels seront les effets de cette décision sur la clientèle? Sous question, ça nous va parler dans quelques minutes avec l'économiste William Savary. Cher, avant les effets, il faut que tu aies une cause. Ah oui, mais nous avons demandé. Nous ne sommes pas sous cause. Nous pas sous cause. C'est cause là, c'est cause qui produit cet effet. Parce que le responsable banque là, ou bien M. Dubois, qui n'a pas dit. Il n'a pas dit cause là. Très bien, ok. Et faut tout mentionner ça. Un tout mentionner ça tout pendant si l'LT 120 go de 41 nous te dit et toi matin moi 117. Bien bien. Mais
117. Non, il est là. Il descend 20, qu'on est à 117. Très bien, ok. Tendez bien, madame, monsieur, tendez bien. Tendez bien. Depuis quelque temps, le gouvernement haïtien, le président Jovenel Moïse, a fait que, bien entendu, BAH, le gouverneur de la Banque centrale, il a constaté et réalisé que Unibank avec Capital Bank a fait pile des autres marchés en termes de spéculation. Mais, et ça, c'est une raison qui fait que il a pénalisé. Spéculation d'abord sur la dépréciation de la goud. Ok, chaque jour, monter ou un point qui a monté sous. Et ce goût là. Madame, monsieur, nous, une journée, ou qu'on voit par exemple, si goût là, les 116, non, même journée, il monte 117. Oui, oui. Il va avoir 116-20, puis tu as là, 116-60, 116-40, il va normal. Jusqu'à ce que demain, il va 117. Il va normal. Donc, BH, il nous voit que, et Jovenel Moïse a suivi, et le président Jovenel Moïse mettait pression sur Baden Dubois. Nous sommes ici dans le matin débat. Nous te dis que quel que soit gouverneur qui est capable de venir gouverneur de la Banque centrale là, faut qu'en fait, président, lui consulte le secteur économique, le secteur bancaire là pour être capable de nommer gouverneur de Banque centrale. Pas qu'aucun président là qui a fait ça dans ce moment là, jusqu'à ce que au cas pouvait faire sous-matiquement dans le pays. Et monsieur Baden Dubois, madame, monsieur, on ne garde pas le coup pour nous. On garde, je dis, donc, relation avec le secteur bancaire haïtien. Attends, on sait que le président Jovenel Moïse, sous question de transfert là, il prend décret. Côté que, il vient rendre à l'aise, il vient rendre. Gouverneur. Il vient balle matière. Pour lui-même, il est capable d'imposer loi BRH à son marché là, sous question de transfert là. Malgré ça, on voit que note que BRH met dehors son note pratiquement. Qui contraire? Qui contraire? À ça, avec attente. Au contraire, c'est comme Zimdadou, il tape tout plus Zimounio et illégalement. Correct. Et puis, notre BRH, il vient légaliser. Parce que, ouais, là, il y a un problème là. Par exemple, dans la question de Western Union, il y a un problème là pour vous. Depuis l'autre bord, alors ça, c'est les gens qui n'ont pas allé dans un côté là, fait lui. Il y a un fait sur le téléphone, il y a une machine. Il y a un problème là, il y a un automatiquement, la machine a trouvé converti en good. En good. Parce que dit, l'État a dit c'est good. L'automatique. L'automatique. Et puis, l'on met sur le terrain, la machine par yon, c'est $1 lié. Tout son vite. $100, il n'y a pas de cabaoul. Alors que, l'État a eu $1, mon adou, il n'y a pas de $1. Ou pas, comme si vous avez un mouté de son. Machine d'ap gagote. Son gagote, son désordre. Confusion totale. On va retourner avec information, Loko. C'est que, jusqu'à présent, d'après information pour la décision président te prend, il était en faveur population. Il était en faveur de la population, oui. Donc, mais le secteur bancaire a fait pression sur Baden Dubois, qui est gouverneur de la Banque centrale, il fait que lui-même n'est pas appliqué. Parce que vous avez que la nomination. Non, là, il y a un problème. Parce que la nomination de Baden Dubois, madame, monsieur. C'est le secteur bancaire qui est imposé. Mais là, il y a un problème. Ok, et nous te dit dans l'émission à débat. Et nous te voyons un message là-bas by gouverneur Banque centrale. Nous te dit, il faut qu'il fasse très attention pour ne pas quitter Paul. Ok, non, ça qu'a fait là comme politique. Et madame, monsieur, sur le marché. Et de fait, qui s'est passé? Secteur bancaire, là, qu'on a les Jovenel Moïse comme président, fin balance outils pour le cas travail. Ok? Et puis, qu'on a secteur bancaire, là, même fait pression sur Baden Dubois pour ne pas appliquer. Et c'est ça, fois que Banque centrale. Vin mettre notre dehors pour exiger que pour qu'à tout son transfert en dollars, il faut c'est sous contour. Puis on mette ça en véritable désordre. Jusqu'à présent, madame, monsieur, il peut qu'on retire l'eau, il peut qu'on fasse retrait de l'entrée. C'est prolongation. C'est joué la vraie appel. Est-ce que notre démarche président en faveur de la population, clair. Est-ce que l'ité vissé, est-ce que son bagage qui était illégal ou bien il pas. Non, l'ité légal. Il est légal, oui. Si il est légal, comment pour le président faire par exécutif? Mais justement, c'est ça l'autorité. Qu'on a permis à tout. Là, même problème, là. Non, mais écoutez, c'est là. C'est Banque Centrale qui pour faire, OK? Qui pour faire appliquer et mesures que le gouvernement prend lui-même. Oui. C'est Banque Centrale. Maintenant, si secteur privé a un problème avec mesures, là, secteur privé a pris le chita ensemble avec le président de la République, là. Parce que secteur privé n'a pas commandé président. Oui, chita pour le pas chita. Oui, mais on connaît que bataille, là, entre secteur bancaire, là,
et il commence en fait dans cadre réforme président Jovenel Moïse a mené yo bataille a commencé depuis quelque temps parce que pas que secteur bancaire là l'autre secteur bancaire là ou du secteur pétrolier et on a songé que dans question pétrole là et contrat jodi a compagnie cap bail pays a contrôle cap bail cap vendre pays à gaz c'est pas maintenant mais qu'on va y s'agolter il était dans le secteur ça justement secteur bancaire là et tout pas l'ambil qui est là sont pas l'ambil sous que son argent transfert sont pas l'ambil sous que son pétrole. OK contrat pétrole là que qui pas dans menex encore et puis je dis que on le groupe vient gagner pratiquement contre ça madame monsieur faut nous comprendre un jeu qui est là madame monsieur on connaît ça pour dire hélas faut nous comprendre un jeu qui est là à partir de là on qui est hélas pour dire hélas président parité avec popularité avec légitimité qu'il te gagne correct non si c'est si président rete avec popularité ou bien de souverain écarter mon populaire légitimité le te gagne population te fait confiance il pas qu'à mandé il pas qu'à pour décision pareil correct et il pas appliquer pour pas appliquer pour pas appliquer ah non OK donc madame monsieur mais ça maintenant alors moi même m'ba c'est illégal. C'est pour Gouma président sous sort trouvé illégal après Gouma vel. Mais ça l'a dit assez légal comme vous pouvez. Mais il faut gagner légitimité avec Edith. Non, ça elle n'a pas d'accord avec Edith Matéen. Mais on a dit pour le territoire avec parce que président Mouté a un déficit. Depuis qu'elle monte sur le pouvoir, Mouté a un déficit de légitimité. Non, mais il était dit qu'il doit chercher. Oui, ah oui, l'éducation. Parce que oui. La majorité dans le Parlement, on est en juin. Quand il y a ces gens qui travaillent avec eux. Ou que majorité n'a pas le mot. Majorité ça va me faire mal avec, vas-y. Maintenant. Mais nous comprenons ça gagne. Pour un président de la République prendre une décision en faveur pays, en faveur de la population, pour ne pas exécuter, il y a un problème. Non, même genre. Non, un problème d'autorité. Voilà, même moi, mon problème d'autorité. Et là encore, madame, monsieur, c'est mon pays qui est facile. Oui, ministère du commerce. C'est mon pays facile. Ministère du commerce. Ou pas, on sait qu'il a mis des là, pour tout prix, tout bagage dans le pays. Comment il a fait appliquer? En good? Eh, mais bon. Allez, non, n'importe magasin là, pour comment prix. Comment il a fait appliquer? Il peut appliquer. Alors, l'État, oui, ministère du commerce, oui. L'État, oui. Gon bagage qui gagne dans tout pays. États-Unis pas arrêté comme ça, les gens là. Saint-Domingue pas arrêté comme ça, comme ils prennent nous gagnons encore l'exemple. L'État de pour passer on l'autre photo pour suivre lui, faut doit suivre lui. Ouais. C'est bon pour papier pour mettre seulement. Pour ministère, pour demander ça, faut de m'assurer de sécurité. Faut de m'assurer de nombre d'inspecteurs. M'a mettre dehors par jour. Par jour. Capral dans market, capral dans l'autre bagage, cap superviser ce que l'on a dit. Non, ça m'a. Faut prendre ta mesure. Et faut faire une structure, faut de m'gain paquet, faut de m'gain la justice accompagne. C'est pas l'homme et là, non pas le chercher. Souguette ou ouais, ou pas qu'à exécuter. Ça monte. Mais ça m'balde, ça monte que c'était à ta faire. L'homme pour un bout de papier ou écrit. Et sur toutes les réseaux sociaux. Il n'a pas dit rien, ou pas poser des actions. Là, nous avons un problème. L'autorité de l'État n'est pas là. Ministère de commerce, il y a un monsieur qui a une responsabilité dans le bureau. Il y a un bail ça là. Ici tellement là longtemps, alors on est respecté, mais ici tellement là longtemps, il vient travailler. Il y a un monde qui a un papier pour signer. Ministre a un rendez-vous. Il y a un gars, monsieur. Non? Ben, ministère est pour lui, il est pour ça. Ok. Unibank, Capital Bank, dans des ordres qui a fait la sous-marché, que ce soit dans la question et dépréciation de la goudre, que ce soit dans la question de transfert, et bien c'est sous base donc BH, donc il est pénalisé. Madame, monsieur, Unibank est pour le payer 800 millions de goudres, à peu 800 et puis. Oui, 800, combien? Capital Bank est pour le payer 4 millions. Elle dit que le dossier capital n'est pas tellement grave. Mais maintenant, madame, monsieur, 800 millions de gouttes de pénalisation. Nous voyons ça avec l'économiste William Savary. Ça veut dire beaucoup. Ah oui, 800 mais millions. Ça pour nous comprendre, je dis. Par contre, ça a passé Baden-Dubois. Par contre, ça a passé gouverneur Banque Centrale là. L'été qui a pénalisé Banque, sans que nous ne pas connaître. L'annonce, madame, monsieur, faite dans les médias ou du moins sur les réseaux sociaux. De la pénalisation de sa banque là par la BRH. Est-ce qu'on connaît que ça et
ça les sont démarches archaïques. Est-ce que vous connaissez que ça qui prend par décision que Béras prend là, il est pénalisé parce que écoutez, Béras, ils sont instance régulatrice. Ok, ils sont instance régulatrice. Mais ou ka pénalisé banque sans que ou pas besoin font publicité autour. Ou quoi ça t'a amené, Josué? Oui. Ça t'a amené en crash. Donc, en crash, boucherie. Parce que je dis, si tout le monde dit, à partir de ça, que BH prend comme décision contre la Unibank, contre la Capital Bank, il va le tirer l'argent dans la banque. Où est-ce que ça va passer là? Ouais. On va le tomber dans le crash, boucherie. Même parce que décision, alors pour le monde qui connaît, son bonne décision parce que si banque a fait des ordres faut pénaliser ouais. Mais pénaliser banque yo il pas ta doué prendre la rue il ta doué rester entre dans système bancaire la même parce que jodi a madame monsieur clientèle la paniqué et tout le monde qui a décidé jodi a à retirer comme dans Capital Bank à retirer comme dans Unibank parce que vous voulez qui pas marcher parce que la banque centrale pénalisée on manque de plus que 800 millions de gourdes. Ça veut dire que ce bagage est grave, oui, mais là, ouais, grave. Gravement grave. Gravement grave. Madame, monsieur, ça va passer dans le pays là. Comme on dit, il y a des gens qui croisent les bras, et puis ils regardent, et puis ils vivent. Ils mangent des patates demain matin, ils vont bouillir. Ils mangent un plat de riz, ils vont bouillir, et puis ils ne vont pas comprendre ce qui va passer dans le pays là. Est-ce que nous avons une situation extrêmement complexe? Comme peut pas ici, hein, des fois, parce que ça va passer là. Si c'est dans le pays, c'est dans le pays, aux États-Unis. Vous savez que, trésor, ou banque centrale, ok, tu as pris une décision pour pénaliser des banques. Banque centrale, automatiquement, ils ont éliminé, oui, parce que les gens ne peuvent pas faire confiance. Ils ne peuvent pas faire confiance encore. Parce que la panique générale, les gens ne peuvent pas continuer. Ils ne peuvent pas commencer à retirer quoi bien dans le banque centrale. Et ça, tu n'as pas mené dans un cache boutier. Donc, c'est une décision. Maintenant, il faut regarder tout. Raison pour laquelle que BRH pénalise Capital Bank avec Unibank, est-ce que raison ça va bien maintenant toute? Des ordres de compte faire, est-ce que malgré des mesures qui prend pour empêcher donc faire des ordres pratiquement, madame, monsieur, sur le marché? Il t'a supposé, mais attention, okay. Jusqu'à présent, avec clientèle, banque ça a besoin qu'on ait raison. Donc voilà, et jusqu'à présent. Correct. Ouais. Ou mettez le public déjà. Ouais. Public. Bon, écoutez, nèg a toujours fait des ordres. Ou là, pour pénaliser ou pénaliser. Oui. Oui. Pour qui ça, moun yo pas ka konnen pour qui raison. Oui. Moun yo client banque yo. Yo besoin konnen pour qui raison. Yo besoin konnen. Du bois, pourquoi j'aime le dire. Eh bien, alors. Non, mais, pas d'abord, il raison. Parce que c'était un bagage qui était rété à l'interne, j'en dis là. Il était dans le système là. Oui, mais. Parce que, madame, monsieur, écoutez, Josué. Son dossier qui est capable, Jean-Luc Audi, qui est capable de gagner gros conséquences. Alors, il parle sous ça, c'est à partir de questions que un journaliste pose, mais il pas vient parler comme si vient rendre public décision que BRH te prend. Donc, il juste répond, bien entendu, il pas de détails, alors, il pas de raison. Bon, il n'a pas de raison, comme de fait. Donc, parce que son bagage qui a gagné de graves conséquences. Qui s'est passé? Madame, monsieur, information. BRH vient de voir que Unibank, en particulier, fait plusieurs milliards de gouttes de bénéfices. Ça y est, son bagage. Attendez. Plusieurs milliards de gouttes de bénéfices dans le changement. Dans la question transfert. Et comme la question et change l'argent. Non mais Unitransfert. Illégalement. Non, elle prend un cop dans Unitransfert par exemple. Plusieurs milliards de gouttes. Alors, juste une minute, Josué. C'est pour me dire, nous, information ça nous débat déjà dans le matin débat. Tout pas même. Pas jamais. Ils ont pénalisé Unibank par exemple 800 millions de gouttes. Ça, c'est une pitance pour Unibank. La quantité de l'argent que le fait pratiquement chaque mois. C'est parce que plusieurs milliards de gouttes chaque mois, madame, monsieur, non, change seulement. La question de l'argent transfert, plus en question de dépréciation de la goutte. Plusieurs milliards de gouttes. Ok? Écoutez, BRH vient devant le fait accompli. Mais j'en dis là, c'est que Messieurs, ça n'a pas tardé au prendre la rue. La rue Et de fait, j'en dis, il y a vu que il y a un scandale au niveau de la presse.
comme bon pays, c'est pas tout le monde qui gagne l'argent la banque. Comme bon pays, éducation moun yo pas fait financièrement ou là. Eh bien, si c'était nous mais n'importe quel autre pays côté que éducation financière moun yo fait, je dis Unibank avec Capital Bank. T'as pris nos cash. Ou d'après tout le monde là pour retirer l'argent dans Unibank également dans Capital Bank parce que Banque Centrale dit c'est deux banques qui pas fiables. Qu'a fait deux autres parties pour son marché. Là. Mais bien que deux autres n'ont pas expliqué, n'ont pas spécifié, ok? Laisse à tout pour ne pas réagir avec l'émotion et puis s'attendre à autre ballon cash boosté. Non, non, moi même problème, moi même pas qu'on est, non, c'est pas, pas un spécialiste dans la question bah, et finance, mais et est-ce que l'inormal, question, nous devons attirer l'attention sur ça, chaque banque à terre là, hormis BNC, qui c'est Banque l'État, bien, bien. Chaque banque a été à la maison transfert. Oui, nous te disons oui. Chaque banque a été à la monsieur, bon maison transfert. Et là, on veut transfert, yo baili, chaque baili à ton payo. Payo, payo. Ah ben c'est à ton payo. Parce que yon sous des ordres là, oui. Ben oui. Ok, c'est ça Abdoulaye. Donc, ce sont des ordres liés. Ce sont des ordres que, justement, que Banque Centrale Vinoua, que Unibank a fait avec Capital Bank, la question transfert, ok, la question change. Ok, et puis qu'on y a les pénaliser. On n'a pas parlé, mais nous n'avons pas de bande balle. Il n'a pas parlé d'intérêt de presque plusieurs milliards de gouttes. Ah, il est chaque. Maintenant, est-ce que nous allons continuer à payer comme ça? Est-ce que je dis à nous allons continuer à payer comme ça? Alors, le quoi? Quand est-ce que vous groupe est maintenant? Juste une minute. Et puis, qui y a même yo fait règles, ok? Les règles du jeu. Y a vu votre là? Et y a établi les règles. Ok? Donc, maintenant qu'on a une jeune gueule, l'État, qui t'a censé, c'est l'État, en fait, faire règles, oui? Et puis l'État vient un spectateur. Et l'État n'a pas un pouvoir pratiquement sur eux. C'est là, oui, madame, monsieur, je me demande. Est-ce que la démarche du sénateur Maurice Chauchal pour le faire sit-in devant banque, pour mettre pression sur les banquiers, sur les banques dans le pays, pour justement, dollar capable de baisser, pour goudre capable de réévaluer, pour goudre capable de gagner de nouvelles appréciations, est-ce que démarche ça n'est pas en bonne démarche? Parce que madame, monsieur, finalement, qui est pas gagné de scientifique dans la question Jean Wagoud là la dévalue ni non son bail est pas fait exprès son bail est planifié comment me comment demande à monsieur moi t'ai dit nos émissions matin débat Léon est président et qu'on gros homme d'affaires là ici dans le pays le journal Moïse monte président également le président Michel Martelly il était faire sous Martelly il était faire sous président Martelly il vient faire sous journal Moïse. On go homme d'affaires dans le pays. Qui t'a demandé un contrat à président Joseph Michel Martelly. Président Martelly te refuse le contrat. Et puis il dit président Martelly, il va faire le payer ça. Et il vient faire encore sous Jovenel Moïse. Qui s'est passé? Il est contre le secteur bancaire. Et puis il concrétise le système. Non? Depuis le retirer comme là, il met dans la banque. Et puis. Problème. Et puis problème. Comment le mettre, monsieur? Le clone est 4-5 nègres. Qui dans le système bancaire là, qui évalue, ou du moins ce qui vaut peut-être 200, 300 millions de dollars, automatiquement 200, 300, 400 millions de dollars sont dans le système bancaire là, Josué. Problème. Ou pas produire. Ou pas produire. Ou pas gagner. Et puis de la montée. Eh bien, madame, monsieur, mais ça n'a aucun bénin. On raté artificiel. Mais ça n'a aucun bénin, mais on a comme Zambio fait politique dans le pays. Donc, si en fait, ça n'a pas vivre là comme situation sur le plan économique, des autres qui sont sur le marché, ils ne sont pas scientifiques. Ils disent que ce n'est pas, pas un phénomène qui arrive parce que justement. Oui, les gens économistes ont toujours dit qu'ils n'ont pas produit, qu'ils n'ont pas fait. Et quoi, je dis qu'il y a une injection qui est faite, une injection est mal faite, ou du moins un secteur qui est pratiquement bouffé, une injection. Okay? Et puis, ou qui a dit que ce plan est scientifique, et que mais fait que le gagne, et que le patate doit gagner fait ça. Mais ce n'est pas ça qu'a fait la madame, monsieur. Ça dit que je dis que c'est ça qu'a fait la politique. Maintenant, si c'est politique lié. Si c'est politique pour les gars résoudre, pourquoi pas, madame, monsieur? C'est la démarche, moi, je chale là. Pour faire fit, pour faire sit-in devant Unibank, devant Sojé Bank, devant Banque Centrale. Est-ce que son mauvais démarche, il est matin à tout? Parce que si ça, qu'a mette pression sur le secteur bancaire là, pour faire comprendre qu'ils ont menacé tout, et que des autres qui ont fait, on va pas continuer à faire, et que le peuple est capable pour soulagement, madame, monsieur, m'baba nous menti, et nous encourager, moi, je chale, oui. Parce que madame, monsieur, tout ça qu'a fait là, c'est pas gagné de technique ni scientifique là-dedans, non? Ni seulement politique. Et qui est-ce qui a subi? La population haïtienne. Mais c'est grave, oui, l'on a mis un groupe de matin à tout. L'on a mis un groupe qui va 20 000 dollars américains dans le monde. En 2010, c'est 25 000 dollars américains. Je dis à peu près matin à tout, c'est 8 000 dollars
dans goût mais oui dépendamment qui boit chercher là 8 millions d'américains oui on dit que on a qui dans classement non pour ne goumé ou contre entreprise pour qu'une entreprise à Josué de Tidor pour à la fin de l'année pour ta formule de goût de bénéfice comme élément de la classe moyenne et puis pour toutes sortes de faire comme travail là il pas avoir 10 000 dollars américains monsieur le gars oui pendant ce temps même on peut dépenser en américain on passe en américain okay? Et on vit avec l'argent américain et dit toutes sortes fesses avec américain sont en américain les tu faut qu'on décision qui prend sous question monnaie circulation de monnaie dans pays ah ouais. Faut qu'on décision pas connait qu'est-ce qu'a exécuté bon, ah non mais et l'état c'est soit gain c'est soit gain c'est soit gain autorité ou bien pas gain qui ça président a dû faire là qui écrit Valérie Dubois et puis Salman n'a pas exécuté besoin pays un président qui faut président. Et puis, écoutez, monsieur, madame, monsieur, on n'a pas eu la vie comme ça dans le pays. Non, pas possible. C'est un homme qui a été écrit dans la vie, c'est des cas. Ok, si on reste en retard, on vit bien, on reste en retard, on est là. On est mon frère. Ok, l'autre chef d'État, donc. Il faut qu'il y ait une décision qui prend, pas de décision, pas. Même si nous venons au gouvernement, bon, il n'y a pas même gouvernement, même nous, c'est parce que. Nous toujours à déplorer. Nous toujours à dénoncer l'État. Oui, à dénoncer. L'État fait ça seulement. Déplorer, dénoncer et ça seulement exhorter. Ouais. La main de mon frère, la crier, la ouais, gen cyclone passé la moun mouri, nèg crier, nous yo dénoncer. Gen sécurité la moun a mouri, yo déplorer la mort de. Alors que mais qui ça qui fait pour empêcher la moun mouri? Qui ça qui fait? Qui action qui prend? Qui action posée? En tant que autorité. Pas possible. Mais c'est ça nous gagne autorité ou une baguette, monsieur. On faut parler avec l'économiste William Savary. Monsieur Savary, bienvenue à l'émission Matin Débat. Comment allez-vous? Bonjour Loco, bonjour Matin Débat, bonjour Haïti, bonjour tout le monde. Très bien. Matin décidé nous font nous intervenu sur la décision de la BAH de pénaliser en fait des banques tant que Unibank et Capital Bank. Et qui est fait ça capable ça t'adoue gagner mais ça capable gagner donc sur le marché et haïtien. Et sur la clientèle bon. En particulier. Bon, premièrement, il faut penser que monsieur est pénalisé, mais monsieur n'a pas vraiment dévoilé pour qu'il résolve le pénalisé. Oui, très bien. Oui, voilà. Donc, ça, c'est, maintenant, il y a un pile rumeur qui a circulé qui dit que monsieur Sayo, de l'institution Sayo, fait des profits déraisonnables en matière de change. Ouais. Parce que il y a un montant là, ce que monsieur a oui, mais oui, mais c'est raison, ça arrive, profit justement, donc est déraisonnable en matière de science. C'est ça la raison, ok? Bon. En fait, ça c'est une raison. Yo. Maintenant, est-ce que nous allons entrer dans une situation côté le marché du science sera contrôlé par la Banque Centrale? Mm-hmm. Parce que si c'est ça que lié, c'est la Banque Centrale qu'on a affirmé les couleurs pour dire à partir d'aujourd'hui, dit absolument. Décrété au lit pour une résolution que nous avons circulaire, que le temps de changer, c'est ça, il y a fixé. Est-ce que pour nous, là, c'est la meilleure décision à prendre d'intervenir sur le marché et influencer les forces du marché. Donc, ça, c'est une décision politique que lui, parfois même, il est en position, en décision économique et même de politique monétaire. Côté que la Banque centrale, comme un organe régulateur, régulatrice du marché de la monnaie, se positionne et fixe le taux de change. Là, M. Valguin, l'autre question pour répondre. Ouais, parce que si vous n'avez pas commencé à entrer dans fixer le taux de change, vous pourrez très bientôt entrer dans fixer le salaire. On va très bientôt entrer dans la question de fixer le loyer. On va entrer dans la politique de fixation des prix. Donc, si que vous voulez ces politiques, ça, qu'on va les adopter, donc, il y a des conséquences. Est-ce qu'on va réunir pour faire face à la conséquence là, parce que on fasse Banque mondiale, on fasse Monétaire international, on fasse la BID, que tout est extérieur, même c'est le marché des prix qui a fait promotion. Donc, soit aller aux grandes décisions qui allaient rencontrer à tes plus grands supporters, nous laissons pas gagner des réponses. Par contre, bien sûr, vous voulez prendre l'indépendance sur le net de vous-même, vous voulez que vous ne faire politique pas, indépendamment de ce que la politique qu'ils imposent. Vous voyez, ça, c'est une autre question encore. On a toutes ces autres questions qui méritent des réflexions, du pas à prendre des décisions au petit bonheur, ou des bons points de pénalité, mais je sais pas si vous faites trop profit. Est-ce qu'il a lieu, en fait, pour la clientèle de cette banque,
et puis tu as paniqué, je veux dire, là. Est-ce qu'il y a lieu? Bon, écoute. Banque là, il y a un fonds à nous compte. Quand on banque mon service, je dis rempli, et fonction, le premier service, c'est vraiment le custody ou bien la sécurité de l'épargne des gens. Et puis pour lui faire la bonne paire de famille, pour lui gérer l'argent, ça y est, pour ne pas perdre. Parce que là, on banque son prêt, ce n'est pas vraiment l'argent client qui le prête. Parce que les prêts se font à partir de ce qu'on appelle la monnaie scripturale. C'est-à-dire que vraiment, c'est à partir du crédit que vous faites pour qu'il entre dans la fonction de la masse monétaire. Donc, ce n'est pas vraiment gagné pour répondre, pas vraiment répondre à une question. Hein. Parce que la question là, il y a une autre explication que nous ne sommes pas capables d'entrer là-dedans. Mais on banque qui vraiment apprend le service, qui est un premier fonctionniste, qui est vraiment fourni, assurer que la sécurité de l'épargne qui est avec les gens. Et puis d'autre part, tout, qu'il y a des garantements pour lui faire profit pour payer actionnaires et dividendes. Donc, alors, c'est l'effet de la décision. Parce que vous voyez que je dis là. La décision n'est pas dévoilée. OK, moun pa konnen. En fait, les motifs ou du moins les causes qui menaient donc à la décision ça donc dit pas nous pas connait ou pas dévoilé. C'est nous même dans matin débat cap cherche information à partir de compréhension par nous. OK. Et le choix est fait, c'est que normalement il y a une investigation, mais pas le matin. Justement. Le compte à se casser et puis tu vas le pénaliser aucun temps. Donc justement c'est pour vous dire que la clientèle aujourd'hui est capable de paniquer. Vu que raison pas dévoilée. Il y a un monde qui vient et comble dans une banque ou bien dans Capital Bank à partir de démarche, à partir de décision. Il dit que il va le tirer comme dans une banque avec Capital Bank. Non. Faut être très clair sur ça. Parce que là, on banque une pénalité pour le payer. Ce n'est pas l'argent qui est en compte qu'il paye. La banque, ça y a rien, ça qui est accumulé, ça y a rien. Tout business en général, même radio station, non? Même au supermarché, là, on fait comptabilité, il y a rien, ça crée des fonds propres. Fonds propres, c'est lui-même qui a accumulé et puis qui a additionné. C'est à partir de leur profit, les bénéfices non répartis qui accumulés, qui fait fonds propres là renforcés. Donc c'est vraiment à partir de fonds propres qu'il y a pour le payer, c'est pas à partir de l'épargne client. Donc question de paniquer pour qu'il y ait paniqué, non, il n'y a pas lui. Okay. Mais ça quoi le arriver, fonds propres, il est capable de diminuer. Maintenant, là, on prend une banque qui a une banque qui a fonds propres qui est assez élevé. Vous pouvez avoir $1 million, $2 million ou réaliser. C'est vraiment pas grand chose pour un Capital Bank. Ce sont les banques en Haïti, je dois dire, sont très bien capitalisées. Très bien. Et ce n'est pas des banques qui prennent des risques en dehors de risques spéculatifs. Très bien. Okay, pour avec l'argent client. Mais par contre, ça que vous faites, vous facilitez entre vous-même prêter l'argent, vous ne payez l'autre, vous ne payez pas amis, ça fait ça courir le bon voisinage côté vous. Il y a des prêts de notoriété, qu'il y a pas eu à l'autre, il y a supporté des business. Parce que les banques en général sont des hommes d'affaires dans le pays, ils sont les propriétaires des banques. Très bien. Et tout l'extérieur, il y a un business en dehors de la banque, que les gens ont prêté comme si la banque n'avait prêté. Ok. Tu comprends? Donc, il faut faire la part des choses. Ok. Maintenant, qui est important, que M. était capable de coûter, qu'a dit que. Est-ce que la question vraiment c'est la question du taux de change qui est vraiment fondamentale pour le pays? Ouais. Parce que nous avons depuis moi qui m'a payé en 2010, m'a dit que la politique monétaire qui est mise en œuvre dans ce pays n'est pas convenable et que nous avons besoin des réformes bancaires, nous avons besoin de réformes constitutionnelles, nous besoin de réformes des lois de corporation pour permettre la liberté de la circulation de l'argent. Ouais. C'est ça qui est important, je veux dire. C'est pas vraiment question de taux de change qui est important, mais question de on peut capter deux gouttes, parce que banque faut le faire deux gouttes. Tout le monde a payé à faire capter business, faut faire deux gouttes, faut capter. Mais ce sont les changements fondamentaux qu'il faut avoir, qu'il faut concentrer. Ok, on dit que BH t'a pénalisé, donc pour X désordre qui a fait dans le système, non? Maintenant, est-ce que BH gagne moins politique pour t'empêcher que en fait Boxayo continue avec ces mêmes pratiques, même si c'est à sous question change? Non, il faut donner le crédit, il faut vraiment respecter l'autorité de l'État. BRH est une institution, quoique indépendamment de l'État, mais c'est quand même une institution qui a un rôle fondamental pour le jouer. On considère, M. Savary, que c'est à justement pour des profits déraisonnables. Ok, sur le change que BRH t'a pénalisé Banque Sayo. Maintenant, est-ce que BRH a un moyen politique pour empêcher justement Banque Sayo continuer avec même pratique, savoir continuer à faire des profits déraisonnables? Bien sûr, il y a des moyens. Il y a des moyens d'appliquer, mais il y a des moyens d'appliquer.
Alka yo ti licence yo. Mais d'accord même que c'est pas grand pile politique dans ça parce que nèg qui contrôle les machines. Non, oui, mais même si BRH voulait monter que gain quand sont fait. Mettez quoi sont fait pour réglementer le système bancaire, le capable de gain tout le côté. Son gros dégâts sont fait maintenant là. Oui. Monsieur William Savary. Connaissant le président Jovenel Moïse, dans le cadre de la réforme là, et dans la bataille que l'a mené là en face, monsieur Boxayo, madame, monsieur, ce soir dit là, pas étonné pour nous que Jovenel Moïse arrive à retirer donc licence son banque, oui? Non, pas gagné qu'à pêcher le fel, non? Pas gagné qu'à pêcher le fel? Non. Donc, son gros déclaration le matin là, oui? Oui. Parce que, au moins, est-ce que la banque des moyens contraignants pour le faire banquier et de la place le, pour obéir, pour qu'on mette en conformité. Mais il est capable de faire. Mais il faut nous croire qu'il y a des conséquences. Oui, il y a des conséquences. Il faut le parler pour conséquences, parce que là, ça va pas avoir des décisions qui sont capables d'affecter tout le système bancaire. Là. La confiance dans le système bancaire, la confiance dans l'habilité des affaires du pays. Parce que je prends une décision là. Je prends une décision qui est d'attaquer le sojinaire. Mais ça c'est une décision qui est affectée, qui a une implication pour tout le secteur privé. Direction pour attaquer qui est-ce? Le fait que l'attaque est sojinaire. Oui, sojinaire, très bien. Oui, c'est une implication pour tout le secteur privé. Oui. Maintenant, si vous avez attaqué la banque, c'est une implication pour tout le secteur bancaire. Très bien. Donc, il faut vraiment faire tout ça avec beaucoup de précautions et beaucoup d'attention. Très bien. Il faut faire avec pour assurer que la loi est de ton côté. Et que l'on fait les ou fait l'on cadre juridique, l'on cadre de jurisprudence qui justifie son frère. Parce qu'on ne peut pas faire parce qu'on est pouvoir, on ne peut pas faire parce qu'on connaît. Ou faire les parce que son bagage qui est nécessaire pour garantir la sécurité, la protection du public. Très bien. Merci en pile, monsieur William. En général, l'opin des grandes décisions, pareil, c'est parce que la protection du public est menacée. Très bien. Donc, pour protéger le public, vous prenez les grandes décisions. Merci en pile, monsieur William Savary. Merci en pile. Merci en pile. Rien pour vous. Je vous tout le temps d'intervention, monsieur Savary. Alors, madame, monsieur, tenez-nous. Nous connaissons ici un matin débat. Tout ça qui dit sous table matin débat, il était archivé quelque part. Dans trois ans de mandat, président Jovenel Moïse, là, bon parole qui était souvent répétée durant la deuxième année de son mandat. Vous passez les paroles, ça. Hein? Nous tous qui avons perdu. Nous tous qui avons perdu. Madame, monsieur, je crois que je dis à tout le monde qui est Jovenel Moïse. Tout le monde qui est Jovenel Moïse sont-ils en dingue? Il ne peut pas quitter rien pour négocier la même. On nous suit bataille ça avec la banque pour nous. On nous suit bataille ça avec la banque pour nous. Dans fin mandat président Jovenel Moïse là, il m'a dit hier en émission matin de la comme toujours dit, yon président gon paquet de bagaille li ka fait. Si bataille ça avec banque yo, et que monsieur banque yo pas prend main yo, pas étonné pour que Jovenel Moïse avant d'aller li retirer licence sur Nadeau. Laisse ça passer. Nous étions dans un débat là. Nous tout le monde perdu. Ouais. Tout le monde perdu. Tout le monde perdu. Avant. Comment bien? Nous voilà entrer dans justement ça que t'es parlé. Son président de la République, c'est décision président. C'est fini. C'est décision président. Et même si ou qu'a dit que ou gagne l'argent, ou gagne moins politique, mais ouais depuis président prend décision, il prend net. Elle va pas faire illégalement tout non. Non, attendez mon frère. Attendez mon frère. Attendez mon frère. Ça me beaucoup parler dans ce ça. OK? Parce que si mais attendez, m'a pas bon, qui est mon exemple dans cas de Dimitri Vob. Non, dossier Dimitri. Soit aller sur le plan légal ou carré que il fait illégalement, il fait illégalement, ben voilà, on l'a déballé. Mais de fait dans la réalité c'est quoi? Connais Dimitri. Il pas là. Il pas là, connais son génère. Fermé, comprenez bien. Maintenant, quel prend dans la légalité ou bien dans l'illégalité, il est fait que comme président de la République, il a en main que tout ce que le cas fait, mais le cas viré. Et depuis le prend le net, et madame, monsieur, dans la bataille, ça, ouais, ça m'a parlé matin la soirée, sous ta radio éclair, sous ta matin débat. Mettez-le au côté, marquez-le au petit côté, non papier. On nous garde pour nous, on nous suit pour nous. La propose. N'a pas tourné. Pas oublié. On va suivre émission matin débat, madame, monsieur, donc, monsieur.